La Côte d'Ivoire bascule définitivement dans la télévision numérique avec l'extinction prochaine du signal analogique dans les zones couvertes par la TNT, annonce ce mercredi de la Société ivoirienne de télévision. À partir de quand cette extinction sera-t-elle effective? Quelles sont les zones concernées des foyers qui n'ont pas accès à la TNT? Reportage de Pierre Dipomélin, Tanguy Conan. À partir du 1er janvier 2021, il ne sera plus possible de capter des images à la télévision par le signal analogique. À Abidjan, zone pourtant couverte par la TNT, de nombreux foyers ne possèdent toujours pas encore de décodeurs et d'antennes TNT. C'est quelqu'un qui me donne, il a décodeur à la maison et puis il me donne le sien. Bon, moi je regarde, je paie par moi. Par moi, il paie 2000. Je n'ai jamais entendu parler de la TNT parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour prendre. Antenne là. Si on coupe là, je n'ai pas la payer. Donc moi, régner là, ça m'arrange. La migration de la télévision analogique vers la TNT, télévision numérique terrestre en Côte d'Ivoire, lancée dans le pays en 2017, couvre seulement 60% du territoire. Une situation liée à de nombreuses difficultés techniques aggravées par la crise sanitaire du coronavirus. Il y a eu de nombreux problèmes de mise en place. Ensuite, il y a eu la chose que vous connaissez très bien, le Covid, donc, qui est intervenu. Je vous ai dit que nous sommes accompagnés par des ingénieurs de l'extérieur, et donc là, qui étaient déjà partis en vacances, et donc n'ont pas pu revenir, au moins il fallait le faire. Et donc tout ça explique effectivement, nous avons pu en tout cas un retard. Le directeur général de l'IDT annonce quand même la coupure du signal analogique, mais seulement dans les zones couvertes par le réseau de la TNT. L'État ivoirien a adopté un chronogramme d'extinction de l'analogie. Ainsi, à partir du 1er janvier 2021, l'extinction devrait concerner ces différentes villes déjà couvertes par la TNT. Abidjan, Boaké, Man, Boafle, Koro et Kounfao. Et à compter du 31 mars 2020, pour les 29 autres zones de service. L'IDT va poursuivre l'extinction progressivement dans le reste des 40% du territoire. À terme, des services à valeur ajoutée, entre autres la VOD, vidéo à la demande, seront disponibles.